médecin. Il vous avertit, un jour viendra où vous arriverez au bout du chemin, comme une petite dame de la ville d'où nous venons. Elle avait dit, une jeune fille allait à l'église là-bas, et c'était une jeune fille vraiment très bien. Et elle marchait dans la rue, elle avait de longs cheveux, vous savez, et les cheveux ramenés vers l'arrière, bien lissés et brillants, presque comme un oignon pelé. Et son visage avait l'air, elle ne portait pas de maquillage. Et cette fille, elle se moquait toujours d'elle, elle disait, si tu n'avais pas ce crétin-là comme prédicateur là-bas, elle parlait de moi, elle disait, tu pourrais être présentable, mais tu as l'air d'une espèce d'antiquité. Et oh, elle lui en faisait vraiment voir de toutes les couleurs. Chaque fois qu'elle la rencontrait comme ça, elle disait, notre pasteur, lui, il a les idées larges. Elle disait, il sait ce qu'il en est, ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça n'a pas d'importance, la façon de s'habiller ou de penser. Ça en a. La Bible de Dieu dit que ça en a. Nous vivrons de toute parole. Alors, cette jeune fille ne prêtait pas du tout attention à elle. Elle continuait son chemin. Elle est missionnaire à présent. Et donc, cette jeune dame a attrapé une maladie vénérienne et elle est morte. C'est un de mes amis qui lui a injecté le liquide d'embaumement à sa mort. Il a dit, après sa mort, il sentait toujours l'odeur du liquide. Elle avait un trou dans son côté rongé par la maladie vénérienne. Même ses parents ne savaient pas ce qu'elle avait. Et elle est morte. Mais avant de mourir, elle enseignait à l'école du dimanche. Et tout son petit groupe de l'école du dimanche est venu. Il voulait la voir quand elle partirait au ciel, que les anges viendraient l'emporter. Son pasteur était à l'extérieur, il fumait une cigarette, il faisait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital. Et ils allaient tous chanter quand elle mourrait, vous savez. Ils savaient qu'elle devait mourir. Les médecins avaient dit qu'elle se mourait. Alors, ils allaient tous voir les anges venir l'emporter. Tout à coup, quand elle a été confrontée à la réalité, oh, elle était un membre assidu de l'Église. Elle était professeure de l'école du dimanche et un membre assidu de l'Église, d'une belle grande Église dénominationnelle. Et quand elle a commencé à se débattre, que la mort s'emparait d'elle, les yeux exorbités, elle disait, « Je suis perdue! » Elle disait, « Je suis perdue! Allez chercher le pasteur! » Il a écrasé sa cigarette, il est entré, il a dit, « Allons, 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 allons! » On va aller chercher le docteur, il va te faire une piqûre. Elle a dit, je ne veux pas de piqûre. Elle a dit, espèce d'imposteur, je me mords et je vais en enfer. Et je suis perdu parce que tu ne m'as pas dit la vérité. Va chercher la petite good news et amène-la-moi au plus vite. Elle a raison. Attendez un peu d'être confronté à la réalité une bonne fois. N'essayez surtout pas d'arrêter ce silence saint. Ne vous en débarrassez pas en tirant du fusil à deux coups de l'instruction moderne. Écoutez cet avertissement du Saint-Esprit ce soir qui vous avertit. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est la parole. » Courbons la tête un petit instant. Je voudrais citer encore une parole du Seigneur Jésus pendant que vous y réfléchissez. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif. Vous êtes même heureux d'avoir cette soif en vous. » En êtes-vous arrivé au point où votre système tout entier a été tellement pollué par les dénominations et les petits cultes et les petits clans et tout, les petites consignes sociales d'une église, comme d'adhérer à des clubs et tout, d'aller d'une église à l'autre. Le diable a-t-il réussi à vous fournir cette eau polluée? Vous en faites votre pâté comme un cochon dans sa mangeoire? Alors que vous ne savez même pas ce que c'est que d'étancher vraiment cette soif de Dieu, de le voir, lui, d'en voir la réalité par le Saint-Esprit qui vit en vous et qui se manifeste. Si c'est votre cas ce soir, si vous avez encore soif de Dieu, laissez-moi vous dire. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel, tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Le brigand mourant vit avec joie cette source en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, j'ai pu laver mes péchés. Depuis que par la foi j'ai vu ce flot, que ta blessure ouverte a pourvu pour moi, l'amour qui m'a racheté a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Si vous avez cette soif-là ce soir d'en savoir plus sur Dieu et de vous rapprocher de lui, voulez-vous simplement lever la main maintenant pendant que toutes les têtes sont inclinées? Dites, priez pour moi. Ô Dieu, regarde ses mains. Partout dans le pays où ceci est diffusé en ce moment, de l'est au nord, à l'ouest et au sud, vous qui êtes dans les salles, levez vos mains vers les pasteurs et ceux qui sont là, montrant que c'est votre désir, qu'il y a quelque chose en vous qui a soif de Dieu. Cette soif sainte, ne la satisfaites pas. Oh, vous dites, Frère Branham, j'ai crié. Une fois, j'ai dansé dans l'esprit. Ne vous contentez pas de ça, non. Attendez que cette satisfaction vienne, cette portion qui satisfait pleinement, que la plénitude du Saint-Esprit entre en vous, et alors les cloches de la joie, de crier, de parler en langue et de danser de l'esprit, tout cela viendra. Vous n'aurez pas à attendre qu'il y ait de la musique pour le faire. Vous le ferez quand vous serez sur la route, dans votre voiture. Vous le ferez quand vous balayerez le plancher. Vous le ferez quand vous enfoncerez des clous dans le mur en faisant votre travail de menuiserie. Où que vous soyez, il y aura cette joie ineffable et glorieuse. Maintenant, prions. Cher Père Céleste,